c'est la vie quand tu souris, ma jolie Cendrillon. Mais tout n'est pas si facile quand on est Cendrillon. Ta vie n'est qu'un tourbillon, tu connais la leçon. Même quand un joli garçon t'embrasse, Cendrillon. Magnifique. J'arrive juste à temps pour la fête des fleurs. Oh, j'adore ce parfum. Oh, oh non, quelle guigne! Mon enfant. Oh, ce n'est rien. Cendrillon, viens, le défilé va commencer. Oui, père, j'arrive. Cendrillon? Ah, si donc, voilà Cendrillon. La chère enfant a bien grandi. Enchantement, c'est merveilleux. Petite bulle, emportez mes rêves. Tes rêves? Et dis-moi quels sont tes rêves, Cendrillon. Si tu veux le savoir, je vais te le dire. J'aimerais avoir beaucoup d'amis. J'aimerais devenir une dame de la cour. Qui sait, tes rêves deviendront peut-être réalité. Oui, je l'espère. Je l'espère de tout mon cœur. Tu vas y arriver, j'en suis sûre, car tu es une petite jeune fille résolue et courageuse. Ne compte pas trop sur mon courage et reviens vite à la maison. Tu vas me manquer pendant ce long voyage. Oui, mais j'y suis obligée, tu le sais bien. Allez, oublie ça et ne pense qu'à t'amuser en cette journée de fête. Oh, regarde là-haut, Mère Catherine et Jeanne. Nous sommes là, le défilé est magnifique, c'est splendide. Messire, tout est prêt pour votre départ. Je vous accompagnerai au port quand vous le désirerez. Au revoir, Bélus. Je dois partir et malheureusement, je ne serai pas de retour avant longtemps. Bon voyage et prends garde à toi, père. Ne vous inquiétez pas, mon cher, je prendrai grand soin de la maisonnée.
Adieu, et prenez bien soin de vous pendant mon absence. J'espère que vous ferez bon voyage. Allons-y. Au revoir. Oh père, la journée d'hier fut merveilleuse. Elle restera gravée dans ma mémoire. Merci, et écris-moi souvent. Au revoir. Pauvre Cendrillon, sa mère est morte de maladie il y a 4 ans, et voilà que son père la laisse seule avec sa belle-mère et ses filles, Catherine et Jeanne. Mais j'ai promis à sa mère de veiller sur elle. Jeanne, aide-moi à enlever cette chose horrible. J'arrive. J'ai hâte que tout soit rangé. Après tout, il n'y a pas de raison qu'elle ait la plus grande chambre alors que nous n'en avons qu'une pour nous deux. Mais que se passe-t-il? Mais que faites-vous? À partir d'aujourd'hui, cette chambre est la mienne, compris? Vous ne pouvez pas faire ça. Où vais-je aller? Il n'y a pas d'autre chambre. Si, il y a une chambre de bonne dans le grenier. Hein? Oui, dorénavant, tu n'auras plus besoin d'une aussi belle chambre. Et puis la vue est magnifique de là-haut, tu verras. Mais pourquoi? C'est ainsi, ne discute pas. Quand ton père n'est pas là, tu dois m'obéir. Et tu devras nous obéir à nous aussi, tu as compris? Et tu nous vouvoieras en nous adressant la parole. Mais... Ah! Et tu devras mettre cette robe. Mais pourquoi faire? Tu en auras besoin pour faire le ménage, la cuisine, la lessive et toutes les autres corvées. Bien, ne reste pas planté là, monte tes affaires dans le grenier. Tu seras magnifique dans cette robe, je suis sûre qu'elle t'ira comme un gant. Dépêche-toi de monter tes nippes, elles encombrent le couloir. Pourquoi sont-elles aussi méchantes avec moi? Bonjour, petit oiseau. Tu viens voir la nouvelle résidente de ces lieux? Oh! Des souris! Excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Alors, petite souris, vous vivez ici, n'est-ce pas? À partir d'aujourd'hui, moi aussi j'habiterai ce grenier. Hein? Micha, arrête! Laisse-le tranquille! Micha, ça suffit! Laisse ces pauvres petites bêtes tranquilles. Vous allez bien? Il ne reviendra plus. Cendrillon, qu'est-ce que tu fais? Mets-toi au travail! Descends, ma robe bleue est sale, il faut que tu la nettoies, je veux la mettre ce soir. J'ai faim, viens me préparer quelque chose. Oui, j'arrive. Je dois vous laisser, on m'appelle. Ah!
passe-t-il encore? Mon pauvre petit Micha, c'est Bélus qui est méchant avec toi. Va-t'en, sale bête, laisse Micha tranquille. Cendrillon, viens ici immédiatement, tu entends? Me voici. Oh. C'est encore la faute de ce chien. Il est vraiment insupportable et en plus, il perd ses poils. À partir d'aujourd'hui, il devra rester dehors, compris? Mais depuis qu'il est tout petit, il est toujours resté avec moi. Il ne supportera pas de rester tout seul. Petite impudente, oserais-tu désobéir à mes ordres? Méfie-toi, Cendrillon, tu pourrais le regretter. Sache que je suis la maîtresse de maison, et si tu ne m'obéis pas, je te chasse de chez moi. Mais maman, si tu chasses Cendrillon, qui va faire le ménage et la lessive? Et qui fera la cuisine? Il est hors de question que je travaille. Cendrillon, je t'en prie, fais ce qu'elle dit. Sois gentille, emmène Bélus dehors, avant que maman se mette en colère, s'il te plaît. Si elle me jette dehors, où irai-je vivre? Je n'ai nulle part où aller. Oh, père, je voudrais tant que tu sois là. Oh, je suis désolée, Bélus, ne t'en fais pas, tout s'arrangera. Ça va, Pierre? Mon père est bien parti? Oui, mademoiselle. Le bateau attendait votre père et il a appareillé dès que nous sommes arrivés au port. Je suis rentré, madame. Cendrillon, nous sortons toutes les trois. Je veux que pendant notre absence, tu nettoies la maison. Nous serons de retour pour le dîner. Où allons-nous? En ville, pour inscrire Jeanne et Catherine au concours de beauté. C'est demain que sera élue la reine de la fête des fleurs. Celle qui sera la plus distinguée et la plus élégante gagnera ce concours, alors ce n'est pas la peine de t'inscrire. Oui, avec nous deux comme rivales, tu n'aurais aucune chance de gagner. Vous avez sans doute raison. Va travailler au lieu de rêvasser. Et n'oublie pas, je veux que la maison soit nettoyée avant notre retour. Allons-y, Pierre. Bon courage, mademoiselle. Je tiens beaucoup à ce que les sols soient impeccables et que la rampe d'escalier soit astiquée. J'espère que tu m'as bien comprise. Oui, mère, ce sera fait. Ah, j'allais oublier. Tu laveras les draps et tu feras nos lits. Et attention, je n'ai pas envie que ma chambre ressemble à une étable. Allons-y, Pierre. Que vais-je faire? Tout, ce n'est pas si grave. Quel imbécile, cette Cendrillon. Mais où est Cendrillon? Je sais que toute la famille royale sera présente au concours. Vraiment, tu en es sûre? Il paraît que le roi est à la recherche d'une fiancée pour son fils qui est maintenant en âge de se marier. Oh, c'est merveilleux si le roi pouvait me remarquer. Tu te rends compte, si je pouvais épouser le prince, oh, c'est mon rêve le plus cher, j'aimerais tant qu'il se réalise enfin. Ne vous inquiétez pas, vous êtes les plus belles et les plus élégantes, et puis vous êtes de sang noble. C'est pour cela que j'ai épousé le duc de Biel, pour avoir le titre de duchesse. Oh, oh Bélus! Tu veux m'aider? Comme tu es gentil. Non! Ce n'est pas grave, Bélus, ça ne fait rien. Oh non! C'est pas vrai! Pauvre Cendrillon, décidément, elle n'a pas de chance. Je crois qu'un peu d'aide serait la bienvenue, mais il faut que je reste discrète. J'ai une idée. J'aimerais tant pouvoir aider Cendrillon. Mais ma parole, je rêve ou quoi on parle? Mais c'est pourtant vrai. Moi aussi je pense, c'est incroyable. Ce n'est pas normal, mais peu importe, nous allons pouvoir aider Cendrillon. Oui, allons-y. Cendrillon! Hein? Qui m'appelle? Oui, c'est nous, et on va pouvoir t'aider. Oh, mais...
Bellus, c'est incroyable, tu parles. Oui, j'y comprends rien. Je m'appelle Chouchou. Et moi, c'est Bingo. Vous aussi, vous parlez, je dois rêver. Bonjour, moi c'est Papi, on va te donner un coup de main. Oh. Ah, merci, merci à tous, mes amis. Oh, ce n'est rien, ça nous fait plaisir. C'est normal. Que c'est gentil. Nous avons décidé de t'aider. Merci. Mère, crois-tu que Cendrillon aura fait le ménage et la lessive? Je suis sûre que non, cette fille est paresseuse et effrontée. Dans ce cas, elle devra en répondre, devant moi. Yahoo! Bravo, Bellus, c'est parfait. Cendrillon, hein? Quand la maîtresse de maison arrive, quelqu'un doit être là pour l'accueillir. J'arrive. Bellus, vite, cache-toi. Mais tu n'as pas encore fini de tout nettoyer. Si, je viens juste de finir. J'espère que tout est bien propre comme mère te l'avait demandé. Moi, je suis certaine que nos chambres sont aussi sales que ta figure. C'est incroyable, comment as-tu fait? C'est vraiment très propre. Je suis ravie de constater que tu fais bien le ménage. Mais maintenant, nous avons faim. Oui, je peux préparer le dîner? Eh bien, ne reste pas plantée là. Dépêche-toi, je meurs de faim. Oui, je vais le préparer tout de suite. Oh, je ne vais pas assez vite. Ma belle-mère va me jeter dehors. Papi, on va l'aider. Oh, mes amis, vous êtes merveilleux. Ça sent bon. Alors, ça vient? Nous avons très faim. C'est beaucoup trop long. Dépêche-toi. Oui, c'est bientôt prêt. Chouchou, Bingo, rajoutez un peu de sel et de poivre. Que tu as mis à préparer ce dîner, il doit être délicieux. Mais au cas où il ne le serait pas, Misha va d'abord le goûter. N'est-ce pas, Misha? Oh! C'est infect! C'est absolument immangeable. Bah! C'est beaucoup trop épicé! J'ai faim, mais je ne pourrai jamais avaler ça! Y as-tu goûté au moins? Je m'en doutais. Eh bien, puisque c'est comme ça, tu vas tout manger et nous dire ce que tu en penses. Allez, qu'est-ce que tu attends? Pauvre Cendrillon, je vais rectifier l'assaisonnement. C'est délicieux. Je n'ai jamais mangé une aussi bonne soupe. Hein? Mais... Ça alors? Elle est bonne, c'est incroyable. Oui, je l'ai bien réussi.
Elle est effectivement très bonne. C'est à n'y plus rien comprendre. Il y a un instant, elle était immangeable. C'est parfait. Tu vas pouvoir continuer, Cendrillon. Tu feras toutes les corvées dans la maison et la cuisine. J'ai eu une rude journée aujourd'hui, mais grâce à vous, mes amis, tout s'est bien passé. Tu sais, nous aimons bien t'aider. Nous nous amusons beaucoup. Et si c'est possible, nous t'aiderons tous les jours. Oui, Chouchou a raison. Nous sommes tes amis et tes assistants. J'espère que tes rêves se réaliseront. Oui, moi aussi je l'espère. Je l'espère de tout mon cœur. Merci, papa. C'est la vie quand tu souris, ma jolie Cendrillon.